C'est une nouvelle œuvre de charité que vient de poser l'association Secteur A dans la ville de Yaoundé, capitale du Cameroun. Secteur A a entrepris la rénovation générale des infrastructures de l'école maternelle publique Essos Marché, située au quartier Essos, lieu-dit Apollo Bar. Tout commence le 11 mars 2022, date de démarrage des travaux. Pour une bonne exécution du chantier, l'association Secteur A a fait appel à des ingénieurs et experts de qualité en bâtiment. Ceux-ci sont accueillis en chanson durant la pause par les enfants. Sous la conduite du maître d'œuvre, Clovis Camto, l'on observe le visage triste qu'affiche l'école. Beaucoup de choses sont à réhabiliter pour le bonheur des tout-petits de cette école et leurs enseignants. Par exemple, le pot, la salle d'eau n'est pas hygiénique pour des enfants de cet âge. Réfection de la toiture, du plafond, traitement des fissures sur les murs, raccordage, maçonnerie, carrelage des douches, plomberie et peinture. Voilà ensemble la longue liste des travaux de rénovation lancés par Secteur A. Pour l'ingénieur, les infrastructures entières vont connaître un coup de neuf. Comme vous avez constaté justement les toilettes, on va essayer de les carreler, de poser des pots adaptés pour les enfants. Et de prévoir également un point où ils peuvent se laver les mains de manière simple et tranquille. Également, les toilettes du personnel vont être également touchées parce qu'il faut des pots, il faut des lave-mains, il faut des, par exemple, des robinets de douche et tout ça. Également, dans les salles de classe, plus précisément, vous avez vu le sol garde beaucoup de saleté parce que ça s'est décapé par endroits. Il faut travailler pour que ce soit adapté, pour que ça ne garde plus la saleté. Également, on a le toit, comme le toit. Le toit suinte actuellement, beaucoup d'eau coule par là et le plafond est détérioré. Donc, c'est des travaux d'étanchéité sur le toit qui seront exécutés. Le bâtiment de l'école est également menacé par les eaux pluviales. La rigole qui est devant actuellement ne draine pas l'eau de manière convenable. Donc, cette rigole également sera traitée pour ne plus être un dépotoir d'ordures. Trois semaines plus tard, le tour est joué. Les travaux ont été réalisés. L'école revêt de nouvelles couleurs. Elle affiche fière allure de l'intérieur comme à l'extérieur. La transformation est perceptible et palpable. Le président de l'association Secteur A, présent au Cameroun, est sur les lieux. Accueilli dans une chaleur conviviale, Léopold Fanguem communie avec les élèves de la maternelle. Touché par l'accueil et la marque d'estime, Léopold Fanguem, au nom de l'ensemble des membres de l'association Secteur A, promet de continuer à promouvoir l'éducation des enfants et d'être toujours aux côtés des personnes démunies. Et je dis un merci particulier à la fondation Kindness, qui a vraiment financé le gros de ces travaux qu'on a fait. Lorsque l'association Secteur A commence quelque chose, elle le termine. Elle termine cette chose-là. Donc vraiment merci pour l'accueil qui m'a été réservé. Merci aux enfants qui vraiment ont été formidables. Et vraiment, je vous supplie vraiment, prenez soin de ce qui a été fait. Parce que si vous n'êtes pas fidèle dans les petites choses, ça serait compliqué d'être dans les grandes choses. Donc, le promoteur de cette initiative louable reçoit en retour le merci de l'ensemble des enfants, des enseignants et des parents. Au nom de tous les parents, nous sommes les voisins les plus proches qui avons vu naître cette école. Et celui au départ n'était pas idoine pour une construction de cette envergure, ce qui fait que celui qui avait gagné le marché n'a pas pris tous les détails en considération.
Donc, Monsieur Leopold est véritablement le bienvenu pour combler toutes les failles. Une œuvre de plus pour cette école qui fait partie des nombreux programmes de promotion à l'éducation et de l'excellence scolaire mis sur pied par Secteur A, tel que l'atteste la directrice. Je voudrais seulement remercier Monsieur Pangem Leopold qui est le promoteur de cette association. Je lui dis merci au nom de mes patrons dans la communauté éducative de Yaoundé 5e. Dit grandement merci à cette association. Et nous lui dirons d'aller de l'avant, de continuer sur cette lancée. Être aux côtés des personnes nécessiteuses, les familles vulnérables et des jeunes qui rêvent de réussir dans la vie, mais pour faute de moyens, ne peuvent le faire. Secteur A apporte son appui, d'où le projet de rénovation de cette école. L'association qui a été créée en 2018 dans le but de promouvoir l'éducation et la santé dans les quartiers et les familles difficiles. Et nous avons pour devise être utile aux gens. Donc c'est exactement ce qui nous motive à faire ce que nous faisons. Nous voulons être utiles aux gens. Et lorsque nous avons commencé notre activité, nous travaillons avec les enfants de l'école primaire et du secondaire. Et cette année, nous avons décidé d'introduire les enfants de la maternelle dans les différentes activités que nous menons dans ce quartier. Avec la main au cœur, l'initiative portée par Secteur A et dont les coûts sont évalués à plus de 3 500 000 francs CFA, va davantage s'étendre sur l'étendue du pays. Ceci au bénéfice des personnes vulnérables. Le coût des travaux s'élève à 3 500 euros. Et avec ces travaux, nous pensons avoir réalisé de belles choses parce que lorsqu'on voit la joie sur le visage des maîtresses, des élèves, on se dit que voilà, avec un peu de moyens, on a pu faire grand chose et c'est l'occasion pour moi de féliciter et de dire merci à l'entreprise NG Entreprise qui a vraiment, avec le peu de moyens qu'on avait, fait vraiment un travail remarquable. Et au regard de cette joie débordante, on est sûr que dans les mois à venir, nous allons revenir. Association à but non lucratif, légalisée en 2018 en Allemagne. Secteur A n'est pas à sa première œuvre de charité. Elle a déjà doté les élèves de la maternelle, du primaire et même ceux du secondaire en matériel didactique, tout en octroyant des bourses d'études financières à de nombreux jeunes issus des familles vulnérables et nécessiteuses. Une action que compte davantage poursuivre Leopold Fangem et ses camarades qui militent pour une société qui prend en compte les besoins de tous les êtres humains.